Jérôme Courbin, bonjour. Donc, merci de nous recevoir ici en pleine action dans le Forum des associations 2017 de Biganos. Est-ce que vous pouvez nous présenter le comité des fêtes dont vous êtes le président ? Bonjour, donc oui, on est l'association Comité des fêtes de Biganos. On a quelques missions dans l'année en tant qu'association. On a pour but d'organiser et de préparer les festivités communales, les festivités d'été. Les fêtes d'été, c'est la plus grosse manifestation pour notre association. On organise donc la soirée du 13 juillet, fête nationale. On sait que c'est le 14, nous on fait ça le 13 au soir, repas-concert, les fêtes d'été. On est aussi partenaire sur la fête de la ruralité avec l'association Quartier Vigneault. Et cette manifestation est chapeautée par la mairie de Biganos. Et donc là aujourd'hui, Village des Assos, notre mission était de restaurer toutes les associations et leurs bénévoles sur la pause méridienne. Très bien. Et quelle est votre devise un peu ici au comité des fêtes ? Notre principal champ d'action, c'est vraiment de proposer des animations festives par le biais de repas, de concerts sur la commune de Biganos pour les habitants de Biganos, les gens de passage, les estivants. On est là aussi en soutien aux autres associations, qu'elles soient culturelles, sportives, solidarité. On est en soutien dans le sens où on prête notre matériel, que ce soit de la vaisselle, que ce soit du matériel de cuisson. Et on peut aussi intervenir, mais ça c'est quand même assez rare, parce que chaque association se débrouille quand même très bien, faire de l'interassociation, des soirées interassociatives. Par exemple, comme ça s'est produit avec la soirée caritative dans Magie à l'hôpital, où on a travaillé avec l'UJB, l'association Movendance et nous-mêmes, pour créer une soirée caritative. Voilà. Ok, très bien, bah merci. On note aussi une excellente ambiance, hein, conviviale, comme on peut l'entendre actuellement. Voilà. Merci et à bientôt. Merci à vous, et puis voilà, vous laissez les bénévoles, une petite partie des bénévoles de notre assaut.